Voici ce qui reste de la tapisserie de Monsieur Lama Valeur et du magasin de sa voisine vendeuse de produits cosmétiques après le passage du feu au quartier Institut Pastoral de Daloa. Il nous explique ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, je ne sais pas. J'étais à la maison, m'a appelé qu'il y a feu dans ton atelier. Bon, ça m'a surpris en tout cas, mais je ne sais pas quoi dire. C'est ça, je remercie les jeunes du quartier. Alertés par les riverains, les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur le site pour arrêter les flammes qui se propageaient. Nous avons été alertés par un récurrent disant que c'était un feu électrique, feu d'un poteau électrique. Mais en réalité, ce n'est pas un feu de poteau électrique. Le feu est parti juste par l'explosion d'un pétard. Voilà, des enfants qui jouaient aux jeux explosifs. Et les flammes ont pris des tissus. Et lorsque les flammes ont pris les tissus, ça a continué dans le magasin. Et après, ça a continué. Les flammes sont montées et ont pris les fils électriques. Les sapeurs-pompiers saluent la collaboration des populations du quartier Institut Pastoral qui a permis d'arriver à bout du feu.